Tu sais, Germaine, tu vas m'attendre au salon. Hein? J'ai trouvé un patron chez Abou là, à qui je dois rendre compte concernant la dernière livraison du gaz là. Hein? Donc, ça va durer. Hein? Tu me comprends quoi? Tu prends un taxi. Donc, à tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Je dirais un peu, hein. Oh oui. C'est par rapport à la bière que j'ai pris avant de venir ici. Ah bon? Hey, l'homme perdu, raconte-moi pourquoi t'as disparu là. Comptez quoi? Hein? Mais je t'avais dit que j'allais voyager vers la frontière. Hein? Pour mes marchandises, c'était il y a au moins une semaine, non? Ah bon? Hein? Tu avais dit, c'est comme ça on se comporte, tu quittes le maquis directement, allez. Toi, tu fais les voyages comme ça sans passer, sans prévenir à la maison. Quand même, ça, c'est trop ça. Oh, mais tu sais, c'est une question de temps. Ah. André, voilà. Tu es un menteur. Tu n'es allé nulle part. Tu penses que je ne sais pas où tu as passé la nuit? Oh. Sache que tu vas le regretter tout le monde. Madame, du calme. Tu es venue me voir, tu te limites à moi. Hein? Quant à lui là, vous allez régler vos problèmes là après. Mm-hmm. C'est compris? Mm-hmm. Voilà. Bon, à vous. Oui. Je pense que j'en ai fini. Mm-hmm. Je vais rentrer maintenant. Mm-hmm. Tu vas me connaître aujourd'hui. Eh, dis-moi que tu as vu ton mari, tu es contente, oui. Tu l'as trouvé en entier, toi aussi. Allez. Bon, à vous. Oui. À bientôt. Ok. Tu passeras à la maison, n'est-ce pas? Sans problème, j'y serai. Mmh. Mmh. Voilà. Mais, toi, André, oui. Mais toi, tu es quel genre de personne? Tu veux nous compliquer la situation ou bien qu'est-ce que tu veux au juste? Sortir avec une nana, hein, aller dans un maquis, je ne refuse pas. Mais quand t'allais dormir avec la pépé là, tout en prétextant un soi-disant voyage, tu ne trouves pas que c'est trop? Tu as oublié. Hein? Tu penses que si je rentrais aussitôt, ça allait arranger les choses? Pourquoi pas? Là, ça démontrait qu'elle avait raison et ça pouvait passer. Sachez-toi que ça peut se passer de cette manière. Hein? Sinon, avec cette gourde là, c'est tout à fait le contraire. Tous les voisins allaient savoir ce qui s'est passé au maquis. Hein? Et tu penses que maintenant là, les voisins, là, ils n'en savent pas quelque chose. Tu veux que je te dise? Oui. Les voisins savent que M. André a disparu. Uh-huh. Mais comment? Avec qui? Ça, jamais. Ah non, ça, jamais. Elle est tellement égoïste et orgueilleuse qu'elle ne laissera pas entendre que c'est avec une autre femme. De toutes les façons, vous allez régler ça à la maison. Ciao. Regarde. Ce sont des papiers de douane. Signés et datés d'aujourd'hui. Et puis? Arrivé à la maison. Uh-huh. Si madame insiste que j'ai découché dehors, je vais lui montrer ces papiers qui prouvent qu'effectivement j'ai voyagé la nuit dernière vers la frontière. Mais, parce que, donc tu as été vraiment alors? Pauvre con. J'ai envoyé un de mes voisins là, celui qui a sa boutique de prêt-à-porter à côté de chez moi là. Hein? Allez régler cette affaire là. Et ensuite? Toi, il va falloir que je te fasse un dessin pour que tu piges ce que je te dis. Hein? J'ai passé la nuit avec Germaine dans la villa de mon jeune frère. Tu as compris maintenant? Viens bourrer. Mais André, toi tu es fort. À l'aller où tu vas là, j'ai l'impression que vraiment tu vas mériter une médaille maintenant. Une médaille pour moi? Hein? Si moi j'ai trouvé une médaille, toi il te faudrait une brouette pour transporter les tiennes. Tu es super champion. Ah bon? Ah, c'est à moi tu dis ça, André. Pas fort, tiens. Là, dis là. Tiens, Mangadja, on a pris tout ton temps. Hein? Il est déjà 17h30. Oh. On s'en va. Écoute, dis, André, tu vas m'attendre tout juste 2 minutes, histoire de téléphoner, je te rejoins au secrétariat. Hein? Bon, c'est compris? Je t'attends là. Ok, y a pas de problème. Ah ouais. Mais écoute, c'est pas toi que j'ai posé la question là. Qu'est-ce que c'est, André? Mais si elle rit, c'est qu'elle est contente, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Oh, tu sais, moi je la connais, hein. Je sais qu'elle ne rit pas bêtement. Si elle rit comme ça, c'est quelque chose. Tu me laisses tranquille, André. Bon, viens, je vais te raconter pourquoi elle rit. Ah bon? Donc toi, tu en sais quelque chose? Tu sais, quand madame était dans ton bureau là. Oui. Tu connais quand elle venait ici, j'étais seul. Ah bon? Donc tu étais avec qui? Germaine. Mais tu es un champion, hein. Et comment tu as fait pour t'arranger maintenant? Quand tu as su que ta femme était dans mon bureau, comment tu as fait? Si tu as su comment j'ai fait, mon fils. C'est cette manière que j'ai utilisée pour la faire sortir d'ici là. C'est ça qui fait rire ta secrétaire. Ah, bon, et quelle est la manière que tu as utilisée? Et tu vas me donner au. Là, dis là. Ah bon? C'est comme ça que je l'avais fait partir. Mais elle ne s'est pas doutée de quelque chose, elle. Mais.
Je t'ai demandé où se trouvaient les toilettes, non? Bien sûr. Ah, alors que tu sais très bien que je connais l'emplacement. Ton truc là m'a paru suspect. J'ai cru que parce que tu avais vu madame que tu as pris peur, quoi. Peur? Ah. J'ai pris peur d'elle. Oui. Non, peur plutôt que ton bureau ne se transforme en une salle de taekwondo. Ah bon? Oui. Mais André, quand est-ce que tu vas cesser de faire ce truc comme ça? Eh, bon, viens, bon, je vais te raconter en route. Ah bon? Donc il en reste alors. Dieu, mon cher, donc après avoir subi les personnalités des femmes encore. C'est bien ça. Abou, tu sais, je veux te poser une question. Vas-y, j'écoute. Tu n'as pas dit que chaque fois quand je veux te poser une question, c'est tout un problème, hein? Oh, ça dépend. Tu sais, généralement, je n'aime pas les questions bêtes. Ah. Voilà, moi je pose jamais de questions bêtes. C'est quand tu veux pas répondre que tu dis comme ça. Hé, hey, tu sais, va droit au but au lieu de rester à tourner en rond pour ne rien dire, hein? Même si tu cherches à m'énerver, je veux poser la question qui me tracasse tant. Ah bon? Il y a une question qui te tracasse, hein? Si. Eh bien, pose-la. C'est à propos de ta nommée Fatou, là. Ah bon? Fatou, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Calme-toi, j'arrive. Je veux savoir ce qui se drame sur mon dos. Votre scénario, là, c'est assez duré maintenant. Quelque chose se trame dans ton dos? Qui t'a dit ça? Il faut quelqu'un d'autre pour me le dire, alors. Tu me prends pour la reine des idiotes, non? Je comprends maintenant. L'hypocrisie des femmes là, je suis assez rodé là-dedans. Hein. Je vois et je comprends. Chaque fois que toi tu vas chez ta mère, là, quand tu reviens, c'est pour me dire qu'il y a quelque chose qui est rentré ici, qui est sorti là-bas. Ah, je vous connais assez de... Bon, tu veux dire que c'est ma mère qui me raconte tes idiocies de la ville? Hein? Elle a autre chose à faire que d'écouter les rapports des gens. Hein? Réponds à ma question. Et si je ne réponds pas à ta question, tu vas me faire quoi? Tu sais que je peux rien te faire, sinon j'allais... Tu allais quoi? Dis le reste, tu allais faire quoi? Dis le reste, salope, tu allais faire quoi? Toi, tu peux faire quoi? Ah bon? Tu commences à m'insulter encore. Yeah, tu n'as pas dit que si une question touche à la réalité, ça te met en colère. Je vais aller voir ma soeur. Ah, c'est mieux pour toi. Oh, vas-y. Tu veux même rester là-bas. Ah bon? Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Hein? Je ne sais pas. Je m'attendais à une question plus importante. Chez moi, c'est très important. Je ne peux pas fermer mes yeux à te laisser faire tes bêtises. Je ne suis pas la gardienne de tes enfants et non plus ta vieille là. Hein? De quoi veux-tu parler au juste? Depuis que l'homme est assis, ça vaut à peu près 15 minutes. Tu n'arrives même pas à répondre à ma question. Ça veut dire quoi ça? Hein? Ce que ça veut dire, ça veut dire que la question que tu poses là n'a pas de réponse adéquate. Ah. Je m'attendais à ça. Je te connais assez maintenant. Alors, à quoi ça t'a servi de perdre ton temps à parler? Je commence à comprendre le jeu de faux type que tu veux si bien jouer. Avelin, si tu me répètes ça, tu auras des années avec moi, tu as compris? Avoir des années parce que j'ai prononcé le nom de ta pute de Fatou que tu prétends épouser? Ah! Épouser même n'est pas le terme exact. Je veux la marier, l'amener dans cette maison. Ce ne serait pas dans cette maison avec moi. Je t'ai dit ici là même. Ce ne serait pas avec moi. Ah, ce ne serait pas avec toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir chez tes parents? C'est ton souhait. Déchante ça vite. Tu ne vas pas me gâter ma vie, me jeter comme une vieille éponge. Inconscient que tu es. Hein? Tu crois que tu n'es pas si âgé pour continuer à faire le compte? Con, qui est ton con? Qui est ton con? Tu vas pas chez toi? Hein? Tu es con ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Ce matin, en tout cas, vraiment, je n'ai rien. Hein? Comment tu n'as rien? Ah non. Il ne faut pas faire ça. Alors moi aussi, j'ai des problèmes, non? Oui, mais non, toi aussi. Non, mais c'est taper un petit toujours, truc. Toujours, toujours, c'est moi qui t'invite, c'est moi qui t'invite. Mais tu connais ma situation. Ah, bonjour, tonton. Bonjour ma fille. Bonjour Khalifa. Bonjour. Ça va? Ça va. Oui. Mais Khalifa, oui? Qui est cette jeune fille là? Comment? Tu la connais pas? Non. Ça ne m'étonne pas puisque tu ne te souviens jamais de rien. C'est la future femme de ton neveu Abou. Ah bon? Ouais. Ah, mademoiselle. Assieds-toi ma fille. Alors, ça va? Ça va bien. Et la famille? Ça va. Ah. Et ma tante, comment elle va? Bien, merci. Tu m'excuses, hein? Ne m'en veux pas. Parce que l'autre jour, c'est en pleine circulation que Khalifa t'avait présenté. Et comme tu ne nous avais pas aperçus, eh bien, nous avons dû continuer notre chemin. Ah ouais. Pas de problème, tonton. Ah bon. C'est de retour du marché que j'ai passé pour vous dire bonjour. Ah, c'est très gentil. Merci, Fatou. Moi aussi, je suis venu pour angoisser ce vieux Joe-là. Il faut l'expliquer les choses pendant longtemps avant qu'il ne comprenne. Khalifa, toi, tu la fermes et tu restes tranquille. Espèce de casse-pied international. Mais pourtant, ma compagnie te plaît, n'est-ce pas? Oh, mais vraiment. Oh. Tonton. Oui? J'ai amené de la cola pour vous. Ah, Khalifa. Ah, vraiment, ça, c'est très gentil. Bon? Voilà, c'est une bonne femme, ça. Ah, merci beaucoup, ma fille. Je vais devoir vous laisser. Comme j'ai laissé des clientes au salon, je vais aller m'occuper d'elles. D'accord. Bien. Pas de problème. Bon?
Alors, merci beaucoup, hein, ma fille. Voilà, mmh. Fatou, au revoir. Au revoir, hein. Mmh. Bien les cheveux à la maison. Ouais. Alors, vieux format, mmh. Qu'est-ce que tu as contre cette fille hein? Oh. Pourtant, hein, elle a beaucoup de respect pour toi. Elle t'a même envoyé de la cola. Khalifa, ouais. Je t'ai toujours dit mmh. que je suis très ami avec la famille de Mimi. Ah oui, ah. Hein. Et c'est ça qui te rend aussi con comme ça. Ah, mais si tu es venu pour m'insulter, mmh. tu peux repartir. Hein. Mmh. Je ne suis pas un imbécile des... Oui, mais je ne vois pas la différence entre toi et un imbécile. Oh, mais Khalifa, ouais. toi, tu ne pars nulle part. Ouais. La mosquée ouais. et les réunions communautaires de sang étrangère. Mmh. Raison pour laquelle tu es irréfléchi comme ça. Oui, comme c'est toi qui seras bientôt le nouveau imam là, mmh. tu peux toujours rêver. Oh, mais vraiment, je suis embarrassé. Ouais. Ce geste de la part de Fatou, mmh. vraiment, je ne sais pas quoi faire. Tu veux mon avis mmh. C'est simple. Hein? Tu cesses de faire le difficile entre elle et Abou. Hein? Oh. C'est une fille qui est très gentille. Que vont penser les parents de Mimi? Ah, hein? Tu veux vraiment une réponse? Uh-huh. Tu vas déménager là-bas, hein? Ainsi tu seras à l'abri des observations que tu crains. Là. Déménager où? Chez les parents de Mimi. Ah bon? Puisque c'est eux que tu crains et respectes. Uh-huh. Sinon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je m'attendais à des conseils d'amis. Uh-huh. Et voilà que tu me vomis des âneries. Tu joues à l'âne. Quoi de plus normal que de te donner du foin? Mais d'ailleurs même, Khalifa, uh-huh. qu'est-ce qui t'amène de si bonheur comme ça? Tadiro, uh-huh. hein? Tu peux pas me filer un vieux billet de 1000 francs là que je te rendrai après? Vraiment, Khalifa? Non, toi aussi. Hein? Ah! Hmm? Oh, mais ça va faire combien, Khalifa? Oh, ne t'en fais pas, je note tout là. Je note tout, je vais te rembourser. Ah, hein, c'est bon. Pour aller régler tiens, un ouais, petit problème va. Là. Hein? Bon. Je te rembourse. Ouais. D'accord. Ouais. Bon. Après, mmh. il va falloir que je passe chez mon neveu. Ah. Sinon, mmh. avec des saprophiles ah. comme toi, ah, ah, on ne pourra oui. jamais gérer les moindres sous. Oh, d'accord. Hein? Tu lui diras bonjour de ma part mmh. et que je suis de tout cœur avec lui. Voilà. Merci beaucoup. Bon, espèce de con. Un vrai parasite, cet énergumène-là. Fatou, si je t'ai fait venir à la maison ce midi, c'est par rapport à Abou. Abou, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Écoute plutôt au lieu de paniquer, là. Ces filles d'aujourd'hui, dès qu'on parle de leur ami, c'est la panique. Il ne lui est rien arrivé. Ton oncle veut savoir où vous en êtes. Mmh. Bon, voilà. Quand est-ce qu'il va se décider à donner les colas? Et puis, est-ce que ses parents te connaissent? Oui, j'ai déjà été chez lui en famille et tous ses frères et soeurs me connaissent. Très bien. Mais penses-tu que sa femme voudrait que tu sois sa co-épouse? Ah, c'est à vous qui sait comment faire. C'est à vous qui sait comment ça doit se faire. Toi, tu ne sais rien, n'est-ce pas? Grande sorte, à ton âge, tu ne peux pas analyser la situation. Analyser quelle situation? Si elle pouvait prendre même 10 femmes, cela n'engage que sa personne. Je ne vois pas pourquoi je dois me faire des soucis pour ça. C'est ça. Quand tu seras chez lui et qu'il te dise qu'il veut prendre une troisième, je me demande ce que tu vas dire en ce moment. Si ça me convient, je reste. Dans le cas contraire, je ramasse mes bagages. Je ne serai pas la première à le faire en tout cas. Ouais, c'est pour éviter ces manières idiotes-là que nous essayons de savoir où est-ce que vous en êtes. Tu as compris? Fatou, tu vois que c'est dans ton intérêt que nous discutons pour comprendre ce que tu vas devenir. Bon, de toute façon, moi je vais voir l'oncle de Abou et ensemble nous allons discuter de vos relations afin d'en connaître l'aboutissement. Tu es apprécié par ses parents pour le moment. Mais comme eux aussi, ils ont peur de manifester leur point de vue devant la femme d'Abou, je crois que c'est lui seul qui peut convaincre sa femme de ton arrivée dans son milieu. Convaincre? Tu parles. Si c'est convaincre, tu peux attendre là jusqu'à ce que tu pousses des racines. Si vous ne vous mettez pas debout, je sais que ça va tarder, sinon même rater. Se mettre debout, comment ça? Vous voulez dire essayer de créer un terrain d'entente avec sa femme? Toi, tu ne connais absolument rien dans ça. C'est une affaire de femme. Laisse-nous tranquille. De toute façon, moi, je m'en fous. Hein. Si vous voulez vous faire escroquer par les marabouts, ça, c'est votre problème. Quant à moi, je bois mon dolo tranquillement et je m'en tiens à la volonté de Dieu. Oui, oui. C'est en buvant ton dolo que Dieu va mieux t'aider. Bon, ça suffit maintenant. Fatou, retourne à ton travail. Quant à toi, débarrasse-moi le plancher. Tu commences à me taper sur les nerfs, là. Bon, je crois que je vais me taper un peu de vin aujourd'hui pour changer un peu. Solo. Oui. En fait, comment tu te portes toi? Ça va bien. Ouais, ça va. Mm-hmm. En fait, Abou, ça fait longtemps que je te vois pas là. Mmh. Toi, tu connais pas chez moi? Non, mais tu ne restes jamais à la maison toi. Bon. C'est ce qu'on t'a dit ou bien tu es allé manquer combien de fois? Demande à ta femme. Je passe presque chaque fois à la maison et tu n'es jamais là. Ouais, ça dépend de l'heure à laquelle toi tu passes. Non, à moins que je m'amène à 5h du matin. Là, au moins, c'est sûr que tu es là. Mmh. Solo, toi tu parles encore dans ce qui me semble. Tu as entendu quelque chose, non? Non, c'est la vérité que j'ai dit. Tu sembles surpris, mais pourtant c'est juste, non? Bon, c'est juste, oui. Mais en fait, tu voulais me voir pourquoi? Bon, en fait, c'est l'oncle qui voulait te voir. Ah. Il dit que c'est très important.
Ah, oui, oui. Eh ben, bon, tiens. Voilà qui arrive même. Ça tombe bien. Voilà. Bonne arrivée, tonton. Tiens, tiens. Mon vieux, ah, mais oui. Tonton est complètement brillant ce matin. Hein. Ah, yeah. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Bonjour, tonton. La santé. Oui, ça va. Alors, et la famille? Oh, ça va. Les enfants? Tout le monde va bien. Ah, merci. Mm-hmm. Oui, mais tonton. Oui. Il paraît que tu voulais me voir là. Oui. Mais où est-ce qu'on peut s'entretenir? Oh, si on se mettait sous l'arbre là-bas, ah, ce serait mieux. Uh-huh. Vu cette chaleur. Oh, popo. Tonton, il n'y a pas de problème. On peut y aller. Ah, voilà. Mm-hmm. Bon. À vous. Oui. Je voudrais te demander si tu veux toujours continuer ton projet de mariage avec ta fameuse Fatoula. Mais bien sûr que je veux continuer. Pourquoi cette question? Mais tout se fait avec prudence. Ah. Tu vois pourquoi je te dis ça? Non, je ne vois pas. Dis-le. Tu te souviens de la fille nommée Irène? Je me souviens bien, mais Irène, quel rapport avec Fatou? Oh, c'est comme ça que tu nous as précipités, ton père et moi. Mmh. Et l'histoire s'est terminée à queue de poisson, n'est-ce pas? Mais ça devait se terminer à queue de poisson. Irène n'a pas été sérieuse, c'est tout. C'est d'ailleurs, normal. Depuis quand tu connais cette fille-là? Mmh. Hein? Mmh. Au lieu de te patienter pour mieux la connaître, mmh, tu nous mets en branle-bas, mmh, comme si demain c'était la fin du monde. Mmh. Hein? Et ce qui m'étonne, mmh, tu as déjà une femme, mmh, et tu te conduis comme un novice. Ah, mais au fait, tonton, mmh, cette Fatou là-haut, mmh, tu as entendu quelque chose la concernant ou bien qu'est-ce qu'elle t'a fait au juste? Non, mais c'est la bonne procédure que je te dis. Hein. Ah, la c'est bonne tout. Procédure. Oui. Mmh. Je vais y réfléchir. Est-ce que ton père est arrivé? Ben, ça, vraiment, je n'en sais pas grand-chose. J'étais en train de causer avec Solo tout juste quand toi tu es venu. Depuis que je suis venu, je n'ai pas eu à poser de questions. À moins que je ne demande à Solo. Oui. Hein? Hé, hey, Solo, viens voir là. Oui, est-ce que le vieux est revenu de la ville? Ça, c'est depuis. Ah. Mais il est parti avec la vieille saluer les voisins d'à côté là. Ah. Ils nous avaient donné de la viande de mouton. Ils ont un baptême là-bas. Ah, d'accord. Ah. Tu as entendu que tonton? Eh oui. Bon. Moi aussi, je vais essayer d'arriver là-bas et puis continuer à la maison. Uh-huh. Uh-huh. Ah, toi aussi, tu vas aller saluer le baptême oui, là. Oui, c'est ça. Je suis obligé. Ah. Je reviendrai pour un entretien à trois. Uh-huh. Ton père, uh-huh, toi uh-huh, et moi. J'espère que ça va bien se passer. Ah oui. Et n'oublie pas que c'est pour dimanche prochain. Donc, à peu près à la même heure. À la même heure. Il n'y a pas de problème. Abou, oui? Je vous entendais parler de mariage de Irène, de Fatou. C'est quoi tout ça là? Hey, Solo, ça c'est pas très loin de. Mêle-toi de ce qui te regarde. Ça c'est pour nous les grands. Voilà. Ah. Maintenant, les gens se cherchent. Mm. Toi, tu ne fais que t'encombrer. Ah bon? Mais Solo, dans tout ça, qu'est-ce que tu veux dire là? Rien. Ah, je pense que c'est mieux pour toi. Si toi tu comprends pas, moi je comprends. Hey, dans tout ça, Solo, moi je vais partir. J'ai assez attendu. Bon, quand le vieux sera de retour, tu sais ce que tu vas lui dire? Mm-hmm. Que je reviendrai probablement le dimanche et peut-être à la même heure. Pas de problème. Mm-hmm. Ce sera dit sans faute. Bon, écoute, c'est pas la peine de te déranger. Moi, je connais la route. D'accord. C'est bon, bon, au revoir. Voilà. Bonjour Moïse, et ton patron, il ne tardera pas à venir? Il n'a pas dit quand il va revenir. D'accord, je vais l'attendre un peu, voir son nom. Qu'est-ce que tu fais là-haut pendant que moi je t'attends en bas, hein? C'est le caca du marguerite qui tombe souvent sur ma machine à course. C'est ça que je suis monté pour chasser. En bas? On va voir qui va se faire.
Comment? François va venir te trouver ici, tu le connais au... Il faut que je vive. Ah. Rachel, tu es au courant de l'affaire Abou Fatou? Fatou? C'est qui celle-là encore? La coiffeuse là, celle qui travaille au salon vers le petit marché. Tu ne vois pas? Celle qui t'a arraché ton mec. Cesse tes idioties là et écoute-moi. Parle, je t'écoute. Il va falloir tout faire pour lui rendre la vie impossible à cause de Abou Kameleba. Et tu crois que cela va arranger la situation pour toi? Tu ne peux pas trouver une autre solution? Comment? Dis-moi si tu penses qu'il y a un autre moyen. Moi, je veux qu'il se sépare. Et tu vas reprendre ta place, c'est ça? Non, mais je veux qu'il s'occupe correctement de son enfant. Ma sœur, je te connais bien. Dis plutôt que tu es jalouse, oui. Sinon, quel lien y a-t-il entre Fatou et de s'occuper de son enfant, hein? Toi, Rachel, tu ne sais pas aider quelqu'un du tout. À chaque fois que je vais mener une action contre Abou, tu trouves quelque chose à dire. C'est quoi même? Voilà, si tu veux mener une action contre Abou, trouve quelque chose de plus intelligent. Au lieu de laisser passer l'éclair de ton temps, à te laisser rouler par tes charlatans que tu appelles marabout. Je ne t'ai pas parlé de marabout. J'ai dit que je vais rendre la vie impossible à Fatou. Si ce n'est pas l'affaire de marabout, qu'est-ce que toi, Irène, tu peux faire à Fatou? Elle ne t'a jamais adressé la parole. Peut-être même qu'elle ne te connaît pas. Maintenant, elle va me connaître. Et comment tu vas faire? Hé, Irène, fais attention. Ne cherche pas des problèmes où il n'y en a pas, compris? Si toi tu as peur, moi je n'ai peur de personne. Je suis une femme comme elle. Là n'est pas la question. Au moins, quand tu as affaire à quelqu'un, fais tout pour avoir un brin de raison. Je comprends pourquoi tu parles comme ça. Toi, tu n'as aucun problème avec ton copain. Raison pour laquelle tu vois la vie en rose. Au fait, Irène, même quand Abou ne connaissait pas Fatou, rien n'allait entre vous. Je ne sais pas pourquoi subitement tu reviens à la charge. Parce que je n'aime pas la fille là. Elle est trop gonflée. Quand tu les vois au maquis, même la femme d'Abou ne peut pas faire ce qu'elle fait là-bas. Ah oui? Quand tu vas au maquis, c'est pour surveiller Abou, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas seule? Non. Et pourquoi tu t'intéresses à lui? Parce que je suis la mère de son enfant. Et le voir avec une autre qui n'est pas sa femme, m'indispose. Ah oui? Et sa femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et puis avant Abou, tu as eu un enfant, non? Pourquoi tu ne surveilles pas le père de ce dernier? Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Arrêtons cette discussion. On ne pourra jamais s'entendre. Bonjour, madame. Tu as de belles tomates aujourd'hui, hein? Si. Yeah, mais ces tomates sont bien grosses. Ça fait combien? Ceux de devant, là, faut 100 francs, 100 francs. Ceux d'à côté, là, 25. Ça fait longtemps que je ne te vois plus au Djandjoba du quartier, là. Tu n'as plus le temps ou bien monsieur ne veut plus que tu sortes? Non, c'est le temps qui me manque. Moi, avec mes travaux, là, quand je rentre à la maison, je suis tout fatiguée. Toi, tu sais ça? Comme ça, si tu avais quelqu'un pour t'aider, c'est mieux, hein? Vu que les enfants vont tous à l'école. Tu sais, moi, je ne veux même pas d'histoire. C'est cool, là, je préfère rester seule. Et une coépouse, alors? Et? Tu me diras que tu n'en veux pas? Si je refuse une bonne, c'est pas une coépouse, je vais accepter là. Ou bien, tu veux me provoquer? Nous, on est quatre chez notre mari. Donc, chacune de nous se repose autant qu'elle veut, si ce n'est pas son jour. Vous êtes quatre chez vos maris. Ça ne me regarde pas. Oh oh. Regarde ma coiffure. Tu sais où j'ai fait ça? Yeah, mon vieux, c'est très joli, hein? Tu as fait ça où? Chez Fatou, la jeune coiffeuse qui est vers le petit marché, là. Tu la connais? Je ne la connais pas. C'est tout simplement pour te dire qu'elle sait faire de jolies coiffures. Ah bon? Fais un tour là-bas, tu ne seras pas déçue. Quand j'aurai un peu d'argent, je ferai un tour là-bas pour voir ce que ça va donner. Demande à ton mari. Ah. Il connaît là-bas. Eh? Je le vois de temps à autre passer là-bas. Peut-être qu'ils se connaissent. Donc, on coiffe les hommes là-bas ou bien? Ah, je n'ai rien dit. Je t'ai dit que je le vois de temps à autre passer là-bas. Mais quand tu as se coiffé, je ne t'ai pas dit ça. Et toi aussi. Je ne suis pas un enfant là. J'ai compris ce que tu veux me faire savoir. Quand elle me coiffait, tu sais, Elles sont deux au salon. Elle ne cessait de parler de tantôt Abou le magasinier de gaz et d'un certain André. Qu'est-ce qu'elle racontait là-bas? Il paraît que Fatou doit être la seconde femme à Abou. Et que les démarches seront engagées pour le nécessaire. Mini. Il a été dit même que Abou préparait un dossier de crédit pour construire une nouvelle maison pour elle. Ce ne serait pas avec nous en tout cas. Abba! Dans sa cour, bien sûr. Il a une cour, non?
Ça, il a menti. Hein. Moi, je n'ai rien entendu d'abord. Tiens, regarde. La fille qui porte le sac noir là, à côté, tu vois? C'est qui ça? C'est ta co-épouse. Quoi? Tu me diras que tu ne la connais pas, mais c'est terrible pour toi. Celle-là, c'est à comparer avec moi. Regarde comme elle marche.